Ça fait longtemps? Pas du tout. Pas du tout, c'était il y a genre 5 minutes. Ça fait pas longtemps. Oups. Hello! Voilà. Alors, je suis en train de chercher un peu de musique à nous mettre, mais je sais pas ce qui est libre de droit ou pas. Ouh, ça a l'air vachement fort dans mes oreilles, surtout ça. Vous, c'est un peu fort aussi. Alors. C'est mieux? Comment allez-vous? Est-ce que vous vous sentez prêt? Je vais baisser encore un peu. Alors. Chose. La première plus importante, bienvenue sur ce petit, cette première épreuve. Épreuve, c'est une épreuve. Ah, quand je parle, on m'entend plus. C'est mieux? Après, moi, je parle fort, hein. Alors. Je vais commencer par faire un truc. C'est vous inscrire en tant que participant. Parce que comme ça, je vais pas le faire tout à l'heure. Alors, Lily, Suzy, tu participes, j'ai cru comprendre. Tonton Bauge. Aussi. Arwenia. J'imagine. Pour l'instant, il n'y a que vous trois. Fort bien. Fort bien. C'est guindé. N'hésitez pas, du coup, si vous voulez participer, sachez que vous pouvez de toute façon participer. Seul contre tout. tout du long, hein, il y aura plusieurs parties, donc vous avez largement le temps. Alors. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'épreuve d'aujourd'hui est programmée, prévue. Il n'y aura pas de changement. J'espère que Jelly sera là. Vistou, je sais que t'es là. Vistou, il est sur Diablo. donc, ce sera sur le site du petit bac. C'est le site que j'avais utilisé l'année dernière. Vous pouvez déjà aller sur place et vous connecter. Ça vous permettra d'avoir un pseudonyme. Si vous décidez de ne pas vous connecter, n'hésitez pas à me préciser qui est qui. Gwen, j'imagine que je t'inscris aussi. Parce que vous savez que le pseudo est anonyme et que du coup, si vous n'êtes pas inscrit sur le site... Ah, cool. Alors, vous pouvez jouer sur tablette, sur PC. Il y a un lien en particulier. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien quand j'aurai lancé la partie. Alors. Je vais mettre les catégories. Donc, la première, c'est animal. Où est-ce qu'elle est la deuxième? Chose qui se mange. Je crois que c'était quatrième page. Non, c'était peut-être pas quatrième page.
Je l'ai pas vu. Mais pour moi, ça devrait être dans la première. Ah, bah, il était là. Marc. Ok. C'est noté. Titre de chanson. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Tout est déjà écrit. J'ai déjà mes catégories. C'est juste qu'il faut que je les recherche, mais je sais déjà. Genre, j'ai mon listing. Telle catégorie avec telle catégorie avec telle catégorie avec telle catégorie pour telle lettre et tel timer. Tout est déjà programmé. Je ne fais pas de hasard. Parce que j'ai pas envie qu'on me dise « Ah, oh, t'as favorisé ta... » Non. Oui, en fait, la raison pour laquelle il est sélectionné, c'est que je ne peux pas en mettre moins de 3. Du coup, en fait, je laisse les 3 et quand j'en en ajoute un, j'en enlève un. À moins que dans la liste, il y soit déjà. Mais ça, c'est... C'est le site qui fait que, hein. Moi, à la base, je voulais les retirer aussi. Il est là. Mot de 3 lettres. Et en dernière, c'est une catégorie que j'invente. Ah ouais, c'est pas un basique, hein, a priori. Oui, après, bon, je trouve que ça devrait être un basique, mais bon. Donc, nous avons les catégories suivantes. Animal, chose qui se mange. Donc, ça peut être produit transformé ou non. Parti politique. Moi, je suis désolée, mais il n'y aura jamais de politique dans mes lives. Donc, chose qui se mange, ça peut être transformé, pas transformé. Animal, végétal. Boisson, ça compte pas. À partir du moment où ça se mange, is ok. Mais une boisson, si ça se mange pas, ça se boit. Juste pour la précision. Marque, n'importe quelle marque. Et un exemple. Un exemple. La cristalline, ça ne se mange pas. Mais il n'y a pas besoin de mâcher pour que ça se mange. De la soupe, ça se boit. Mais en réalité, ça se mange. On le considère comme un repas. De la purée, ça ne se mâche pas non plus. Mais ça se mange. Voilà. La soupe, c'est la seule qui passe, je pense. Je pense que j'ai pas d'idée de choses qui se mangent comme un repas. Mais qui se boivent. Techniquement, tu bois la soupe. Mais techniquement, tu la manges parce que c'est ton repas. Bref. Non, mais je voulais dire que tu nous illustrais le truc en buvant. Ça ne compte pas, la cristalline. Alors, je précise quand même que cristalline ne compterait pas de toute façon. C'est de l'eau. Je ne veux pas une marque. Je veux pas, Picard. Milkshake. Milkshake, ça se boit, ça se mange pas. Considérer, alors on va faire mieux, considérer que si ça se boit, ça ne se mange pas. Dans ce cas, on retire la soupe. C'était l'exemple, c'était le contre-exemple parfait, la soupe, finalement. Finalement, le bon exemple, c'était la purée. La purée, ça ne se mange... Le jaune d'œuf, ça se mange, parce que si tu le manges cru, t'es malade. Du coup, ça se boit pas non plus. Je sais pas, alors, tu me fatigues. Alors, je vais continuer et après on reviendra dessus. S'il y a un doute, j'ai le mot final. La question ne se pose plus. Dans tous les cas, s'il y a un doute, c'est moi qui aurai le dernier mot. Marque, donc ça peut être n'importe quelle, c'est dans les règles. Absolument, mais on va reparler des règles rapidement. Mot de 3 lettres, pas plus, pas moins. Concept, contenu de l'AP ou des hôtes. Je peux pas mettre plus de lettres, j'ai essayé. Sinon, j'aurais bien mis concept et contenu de l'AP ou des hôtes. Mais c'est, j'ai pas plus de caractères. Du coup, vous comprenez que ça peut être un concept de ma personne, de n'importe quel membre de l'AP, ou un concept de l'AP. Ça peut aussi être un contenu. Par exemple, je sais pas, on en a fait des contenus qui sont pas tout à fait des concepts. Ça peut être collection de poupées, c'est pas un concept, c'est pas un contenu. Mais, alors, je vais donner un exemple que vous ne pourrez pas utiliser, malheureusement. Je vais donner un exemple global. Un event,
c'est un concept. D'accord. Mais un live... je sais pas, un live... voilà, Zélimpique. Mais ouais, mais du coup, tu viens de flinguer le seul truc en Z. Bouge. Après, cela dit, ça sert à rien, parce qu'une fois que c'est utilisé... Bref. Zélimpique, c'est un contenu de la paix. C'est un concept de la paix. Mais dans les contenus... Je sais pas, mon anniversaire. Le Luluversaire, c'est un contenu. Genre, c'est très précis. Mais c'est qu'une fois par an, c'est pas un concept. C'est pas toutes les semaines, tous les mois. C'est un contenu, mais ça reste un... Ça compte. C'est bon pour l'exemple ? Si vous avez un doute, c'est moi qui déciderai. Mais dans tous les cas, moi, si je doute pas, il n'y a pas de question qui se pose. Ok ? Alors, je vais donc... Alors, le nombre de joueurs, on s'en fout. Le nombre de tours, il y en aura 3. Non, il y en avait 4. Après expiration du temps, 90 secondes. N'importe qui, ami invité, lien vers la partie. On va retirer le W, le V, le Q, le P, le H, le K et le G. C'était décidé comme ça. Après que vous avez 90 secondes, vous avez 1 minute 30. Si le reste s'écoule bien, vous pouvez vous en sortir. Hein. Voilà. Non, pas de Z. De toute façon, Zélimpique, t'avais pas le droit de l'utiliser, c'est un exemple. Alors. Je vais juste... Voilà, retirer ceci. Vous pouvez utiliser le lien pour me rejoindre. Pour revenir rapidement sur les règles énoncées, il s'agira des mêmes règles que l'année dernière. Lorsqu'on arrivera à la fin de la partie, on vérifiera les réponses de chacun. Donc, pour les règles... Hop, hop. Un point par bonne réponse unique, 0 point si vous avez tous les deux la même bonne réponse et 0 point si la réponse n'est pas valide. 90% de la bonne réponse forcément doit être bien orthographiée. Des erreurs de frappe, ça existe. Il faut faire attention à pas faire n'importe quoi. Bien sûr, si la première lettre n'est pas bonne, ça ne compte pas. Hein. Plus une réponse est précise, plus elle est différente de celle d'autrui. Exemple, le bleu n'est pas le bleu ciel. Le jeu sera sous timer. Tout est déjà programmé et ce ne sera pas changé. Dans le doute, c'est moi qui ai raison. Vous vous rappelez... Tu veux l'épingler ? Non. Non, j'aime autant pas. Il y en aura. Je t'assure qu'il y en aura. Mais cette première série, il n'y en a pas. J'en ai même retiré certaines qui sont relativement simples. Hein, le F, le P. Il y en a. Il y en a des séries avec des trucs peut-être plus évidents et où vous aurez donc de la difficulté au niveau des lettres. Ok ? Mais il y en aura. J'ai revu un peu de mots. Ça va bien se passer, il y en aura. C'est promis. Il y a de quoi vous frustrer. Ben, et il faut aussi diversifier les choix, les goûts, les idées. Vous vous rappelez de comment est la fin du jeu ? Il y aura vos noms, les réponses, des croix ou des verres. Dans le doute, si je mets une croix quelque part, vous la mettez tous. Je pense que Gwen, il est en train de se connecter. Il me semble qu'il fait ça sur son téléphone. Et du coup, il est possible et probable. Est-ce qu'il y a eu l'annonce Canal On Air ? Où est-ce que je pourrais annoncer que la première épreuve a commencé ? Annonce AP ? Ah bah Sine, elle l'avait déjà fait, donc c'est bon.
Voilà, je me suis permis. D'ailleurs... Ah ouais. Bon, je vais le mettre en entier, hein, c'est pas grave. Sympa. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Re. Bien joué. Ah, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile, j'en ai conscience.
Oui, oui, les éclairs, oui. L'éclair, la raison pour laquelle il n'était pas compté par le jeu, c'est à cause de... À cause du, de l'accent. Automatiquement, le jeu, si tu commences pas avec la bonne lettre, il te le retire. Mais bon, on est d'accord que c'est, ça compte. Mais les écailles, c'est ça qui me... Chose qui ne se, qui se mange pas. Ah, c'est moi qui vous ai induit en erreur. En effet. J'ai lu chose qui se mange. Et à la base, je voulais prendre chose qui se mange. Eh ben, c'est ma faute. Je suis désolée, Bauge. Alors, on va le compter parce que c'est ma faute. On va le compter parce que c'est ma faute. Je voulais mettre chose qui se mange et j'ai mis... Et j'ai sélectionné choses qui se mangent pas parce que j'ai pas lu. C'est ma faute. Alors, on va compter choses qui se mangent et choses qui se mangent pas. À partir de maintenant, on compte choses qui se mangent pas. Ok ? Mais c'est ma faute. C'est totalement ma faute. Mais elle coule pas. Mais cela dit, Lily devrait avoir un point juste parce qu'elle a lu. C'est ma faute. Alors, on va le compter. Et la prochaine, c'est ne se mange pas. Cela dit, il y a tellement de choses qui ne se mangent pas que c'est pas aussi drôle que ce que j'avais prévu. Merci! Je vous en prie, vous pouvez valider. C'est parti. Le N. Le N, c'est une lettre terrible. C'est pas si simple, hein. J'espère que vous en sortez. Sachez qu'il n'y aura pas toujours que des difficiles, mais je voulais vous mettre dans le bain avec celui-là.
coupé un pied à partir du moment où tu l'obtiens pas de façon sur un cadavre. Du coup, il s'est coupé le pied, il l'a fait manger à ses potes. Genre, ils étaient tous d'accord. Bref, mot entre lettres mu, mais mûr. Mango, Mazda, Maserati, les médailles et le Multitson, bien sûr. Et bien, moi, vous aviez déjà les miam. Parce que oui, c'est un contenu de la paix. Mais bien joué. Vous pouvez valider. Bien joué. Franchement, j'avais pas pensé à autant de mots en trois lettres avec du M. J'avais mais, bien sûr. Et je trouve que vous en sortez bien à pas vous croiser les réponses. Ah, alors, ah. Tenez bon, c'est le dernier tour. Ça va bien se passer. Je suis à peu près sûre que c'est pas comme ça que ça s'appelle. Alors, antilope, abeille, axolote, arme, assiette et encre, Asus, Asix, âge, alors on va le compter parce qu'il y a 90%, ara, ça veut dire, c'est quoi un ara? C'est un oiseau, excusez-moi, ça paraît évident qu'on a un peu de... Voilà, c'est un oiseau. Anniversaire de chêne. Apaisé. Parfait. J'ai bug, je pouvais plus écrire. Ah merde. Non, bah t'inquiète, de toute façon. Oui, c'est évident. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de doutes sur la dernière lettre. L'après-midi était trop évidente et pourtant personne ne l'a mis. Vous pouvez valider vos points. Personne ne l'a mis. Et pourtant, c'était évident. C'est vrai. Donc, nous avons un podium. Alors, bizarrement, je suis toujours à la fin. On comprendra jamais pourquoi. Donc, alors on compte les points d'une façon et ensuite, vous aurez un podium final. Donc, je vais être transparente avec vous. J'ai un certain nombre de parties déterminées avec... voilà. Avec des catégories prêtes. Donc, actuellement, je compte les points de la façon suivante. Toutes les personnes qui participent ont un point. Et ensuite, deux points pour la troisième place. Donc, deux points pour Arwania. Trois points pour Bauge. Cinq points pour la première. Mais sachez que ce ne sont pas les points rapportés au final. C'est juste pour faire un classement final sans me perdre. Voilà. Et féliciter tout le monde de sa réussite malgré tout. Voilà. Eh bien, on va... Non ! Alors, excusez-moi, ce n'est pas grave. Nouveau jeu, je vais vous renvoyer un lien de toute façon. Voilà, je pourrais même pas retirer mon... Voilà, bon. Alors, prénom. Ce sera la prochaine. Prénom, pays. Alors oui, vous allez voir, ça va être très classique. Fruits et légumes. Je m'amuse beaucoup parce que celle-ci est beaucoup plus facile. Couleur. Étonnant l'écart avec juste avec juste une réponse d'écart. Oui. Mais bon, moi ça me gêne pas. Je crois que c'est 30 points
Ah, tu veux dire l'écart de ce que j'ai dit? De ce que j'ai mis? 5, 4, 3? Bah, c'est ce qu'on fait en général. On met 5, 3, 1, 3, 2. Ouais, oui, c'est étonnant par contre qu'il y ait 2 points d'écart. Mais il y a 30 points, 30 points pour une entre deux réponses. Après, j'ai... Oui, l'écart donné par le jeu. Mais... ça m'a pas beaucoup plus choqué que ça. Alors, est-ce que j'ai sélectionné les bonnes lettres? En termes de lettres, j'avais mis donc B, D, F, G, H, I, J, K, Q, R, U, V, W, X, Y et Z. Oui, vous allez vous démerder. Je fais la partie là, pas de soucis. Nombre de tours, seulement 3. Excusez-moi si des fois je regarde en haut, des fois je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes notes. Secondes, non. 90 secondes toujours. Expiration de temps, lien envoyé. On est bon. Je vous envoie, hop là, le lien. Je rappelle les catégories prénom, pays, fruits et légumes, couleur, animal. Et les lettres B, D, F, G, pardon, j'ai bugué. B, D, F, G, J. Bière, du coup, c'est Gwen. Attendez, parce que je suis en train de me perdre. Bière, c'est moi, ok. Je vérifie que je vous ai tous noté sur mes... Oui. Donc, Beer, c'est Gwen. Donc, B, D, F, G, H... Mais... J... Q, R... J'arrive même plus à lire mes notes. J, Q, R. Oh bon, vous les avez vues les lettres. J'ai l'impression de... Je vais boire de l'eau. J'ai l'impression de...
je vais pas pouvoir le compter. C'est le nom. C'est en fait c'est une traduction. Et alors le dernier, le deuxième. Ok, le deuxième compte. C'est quoi qu'on compte pas? Le Xigua. En fait, c'est le nom. C'est le nom. N'hésitez pas à appuyer bien dessus. C'est le nom. En fait, c'est la traduction phonétique. Parce que du coup, ça s'écrit pas comme ça exactement. Mais en gros, en phonétique, quand tu dis ça là-bas en Chine, tu demandes une pastèque. Xylophone, Xantique. Xylophone? C'est une couleur ça? Attends. Alors, et celui-là non plus. Mais c'était une bonne idée. Il s'est mis comme ça. Animal. Xerus. Après, il y avait des écureuils. En X. Ah bah c'est ça, c'est des espèces d'écureuils là, des petits... Non. Xantique, ça ne marche pas. C'est un espèce de truc que t'as dans l'œil. Eh bien, n'hésitez pas à bien retirer. Et ensuite, vous pouvez valider. Écoute, moi, je tape Xantique. Un pigment jaune. C'est pas une... C'est un pigment. C'est un pigment. Un pigment, c'est... C'est pas une couleur, c'est un... C'est... Pour moi, c'est pas une couleur, un pigment. Pigment, c'est ce que tu utilises pour faire la couleur. C'est un pigment jaune que tu trouves dans l'œuf. En gros, c'est ce que tu prends dans l'œuf pour avoir le jaune. C'est comme si je te disais molécule. Pour moi, c'est pas une couleur. Je regarde, hein. Je regarde. Du grec ancien, xanthos, jaune. Donc si t'avais mis xanthos, éventuellement j'aurais pu te le compter. Et puis nous on parle français, on parle pas grec hein mon petit chou. Xanthos ça veut dire jaune. Xantique ça veut dire un lieu jaune, globalement. Du coup, ça parle de ce qui est jaune. Mais jaune c'est xanthos déjà. C'est écrit là. On est en France, hein. Moi, quand je cherche Xantique... S'il te plaît, là, les pubs, excusez-moi, j'ai des pubs. Moi aussi, je vais sur le Larousse. Xantique, adjectif relatif à la xanthine. La xanthine, c'est un truc dans la composition des nucléotides. Voilà.
J'ai beau chercher, ouais, je trouve pas que c'est un jeu. Je trouve qu'éventuellement c'est un pigment. Pas plus, j'aurais tenté. Oui. C'était. Ça se tentait. Gwen, si tu peux valider, s'il te plaît. Et pensez que dès qu'il sera validé, il faudra y aller. Ça va relancer. Tenez-vous prêt. Oui, c'est vrai, du coup, il faut qu'il valide à chaque fois. Mais ça se tentait, hein. Sinon, quoi de neuf, Sky? Du coup, non, la ferme déferlante, je pense que j'ai. C'est gentil. D'ailleurs, je crois que c'était un personnage qui me l'avait envoyé. J'ai hâte de voir les réponses. Alors, Karina Kilian, Kirghizistan. J'ai peur de cliquer dessus. Ouais, bien sûr, je regarderai les taux, il n'y a pas de souci. Complètement. Je me suis trompée de ligne. Et t'as quand même mis le Kazakhstan. Alors c'est dommage. Carly, c'est très sympa, j'aime bien ces prénoms. Excuse-moi, hein, bon, celui-là du coup on ne le validera pas, mais c'était bien tenté. Personne n'a mis Kevin, c'était l'évidence pourtant. Kosovo, Kenya, Kazakhstan, Kiev. C'est un pays ça? Oh, moi je suis désolée, je vérifie. Hein. C'est écrit donc. C'est une ville. Dommage. Mais bien joué, bien tenté. Attendez, je pense que je vais faire un truc. Voilà. Ça, je peux le mettre un peu plus grand. Kaki Kiwi, Kumbat. Kumquat, pardon, Kumbat. Et Kiwi. Pourquoi est-ce qu'il... Elle est moche, la mise en page de Google, non? Ok, kaki clair, kaki pâle, Klein. C'est une couleur, ça? Ok. C'est... J'aimerais bien que il est marqué. Voilà, Google, c'est bien. C'est du bleu. Et du coup, c'est pas Klein. Ah, c'est International Klein Blue. En fait, c'est Yves Klein qui a donné son nom et une couleur. Bon, on va le compter, parce que c'est sympa. J'aime bien la Koala Kagou. Alors, je sais pas ce que c'est, mais. Un oiseau encore. Kiwi. Attendez, mais.
Ok, c'est un oiseau aussi. Parfait. Vous pouvez valider, je vous remercie. Oh, pardon. Vous sortez des trucs que je connais pas, moi je vais passer ma vie sur Google. Bien joué. La dernière manche. Bon, je n'hésite pas à valider. Ouais, je comprends, Sky. Moi, j'ai juste oublié. Oh, pardon. Ah, vous allez vous amuser, hein. T'es belle. Oui, je sais. Pas autant que toi, mais... Oui. C'est les... Ça, c'est les 5 kilos que j'ai perdus. Ça m'a rendu belle. Non, j'étais déjà... Hein, ça va, je me kiffe, tout va bien. Arrêtez de me jeter des fleurs parce qu'après, je sais plus m'arrêter. Après, j'ai de l'ego. Il manque plus que le Z. Mais là, c'est la dernière catégorie, la dernière de cette catégorie. Alors, Wallace, William, Wissem, Willy. Ok, Wally, c'est Futuma. Dommage, parce que du coup, il comptait. Mais en effet, Wasabi, Wampi. Wampi. Pour moi, le wasabi, c'est pas un fruit et légume, mais je vais quand même vérifier. Parce que bah, j'y connais rien. Hein. Moi, je suis pas du wasabi, donc... Le wasabi, c'est... Juste une plante. Ouais, c'est ça. Pas considéré comme un légume. Navré. Mais c'était bien tenté. Moi, je pense que si j'y avais pensé, je l'aurais tenté aussi. Sait-on jamais. Couleur. Ça dit. Orange. Attendez, mais. Mais je découvre. Ok. Attendez, hein. Alors, on va compter le 1G. Le 1G, parce que du coup, c'est une couleur de bois. On va la compter. J'avais dit qu'il fallait, fallait être un peu audacieux. Bon, pour le wasabi, c'est dommage. En anglais, il y a wasabi green, qui est donc une couleur avec un nom. Mais en français, c'est alcro wasabi. Navré. Du coup, ça va pas pouvoir compter. Alors... le meilleur animal, le Wendigo. On
on adorerait en avoir tous un chez soi. On lui ferait des papouilles. Ah, oh, mais... Il y a tout qui s'est foutu le camp. Moi, j'adorerais en avoir un à la maison. Je pense que... Je m'entendrais bien avec. Il mangerait Trixie. Pardon, excusez-moi. J'ai juste moi-même oublié de... Oh, mais... Attends. Ouais, non. Après, il y avait le Wapiti. Le Wombat. Voilà. Mais je trouve que vous connaissez beaucoup de noms d'oiseaux. C'est pas un oiseau, mais je veux dire, bon. Voilà. Bien joué. Apparemment, il y en a beaucoup en W, l'air de rien. Et c'est dommage, parce que du coup, si vous aviez précisé... Si vous aviez précisé le Wapiti machin bidule, parce que j'ai regardé, il y en a 4 ou 5. Hein. Bon, bah, vous auriez peut-être... Puis faire passer vos... Mais bon, vous ne pouviez pas savoir. Déjà, il faut s'en souvenir que ça existe. C'est dur, hein. Moi, je sais que... Ouais, il y avait quelques trucs. Oui, il y a des trucs que je connais même pas, mais... J'ai un oncle ornithologue. Ah ouais. Il y a des gens, ils veulent des Wendigo à la maison et d'autres des ornithologues, hein, ça passe. Mais merci pour cette manche. Alors, nous allons coûter les points. Quoi qu'il arrive, pour la participation, un point. Gwen, 2 points. Lily, 3 points. Et les 5 points pour Bouge. Ce qui fait qu'en fait, ça s'équilibre assez. Hein. C'est serré. Ça s'équilibre. Ça se joue. Hop là! Comment est-ce que je fais pour... Ah oui! J'avais oublié. C'est pour ça que vous aviez des points de différence. En gros, quand vous êtes le seul dans votre catégorie, vous avez plus de points. Mais ça, je l'avais précisé l'année dernière et je ne l'ai pas précisé cette année. J'ai oublié. Nouveau jeu, je vous renvoie la... J'ai pas trouvé le bouton. J'avoue, j'ai hashtag panique, j'ai pas trouvé le bouton pour relancer une partie, resélectionner. Donc voilà, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Hop, dessert. Je le précise, dessert étant ce qui se mange en dessert de façon classique. Si vous me dites que tous les desserts, vous bouffez une ratatouille, c'est non. Par contre, dans le dessert, tu peux compter les gâteaux, les fruits, les yaourts, les pâtisseries, les viennoiseries éventuellement. Mais bah voilà, à un moment donné, pour moi, ce dessert, c'est sucré. N'oubliez pas plus cette précision, pour moi, vous avez de chance d'être double. Glace à la fraise étant différent de glace à la vanille. Dessert, mot de 5 lettres. Voilà. J'aime les... À vous de décider de ce que vous aimez. c'est pas sur cette page. Je crois que c'était sur les dernières. Oh, les dernières. Région ou département dans le monde. France, États-Unis. Allez pas me chercher en Chine. Parce que si je peux pas le prouver, ça comptera pas. Je vous le dis juste, hein. Et catégorie raison d'annuler un live. Ok. C'est serré, c'est très serré. Est-ce que ça va pour vous? Raison d'annuler un live, c'est vous qui mettez ce que vous voulez. Qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas de... Si c'est une bonne raison d'annuler un live, ça compte. Que ce soit fatigue, sachant que si vous mettez tous fatigue, malheureusement, voilà, mettez des précisions. Que ce soit je suis passée sous une voiture la semaine dernière. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les deux que je viens de donner. Du coup. Pensez que votre premier mot doit être... doit être genre...
je sais pas, fatigue, c'est F. Je suis passé sous une voiture, bon, accident, vous pouvez mettre. Ou vous pouvez mettre, je suis passé sous une voiture, et dans ce cas, c'est le jeu qui compte. Si vous avez besoin d'un jeu, n'hésitez pas à être inventif. Vous pouvez mettre, c'est pour le P, vous pouvez mettre passer sous une voiture. Bon, on s'est compris. N'hésitez pas à jouer avec vos mots. C'est tout l'intérêt. Mais commencez avec le début. Alors, mot de 5 lettres, c'est pas compliqué. S'il y a 5 lettres, ça compte. Bon, alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Je retire le W, le X, je laisse le Z. Vous avez 60 secondes seulement, par contre. Voilà. Et il y a 4 tours de prévu. Je vous envoie le lien. J'allais dire, mais je ne sais plus comment on fait. Je suis fatiguée. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut nous rejoindre? Peut-être Gwen? Peut-être quelqu'un d'autre? On rappelle que chaque personne qui participe a automatiquement un point pour sa participation. Personne d'autre ? Gwen est sûrement en train de travailler. Avec un point, on peut finir une phrase, absolument. Gwen ne travaillait pas. C'est bon, il est là. Donc, je vous rappelle que vous avez une minute pour écrire un dessert qui doit forcément être un dessert. N'hésitez pas à faire des précisions. C'est aussi... Ça compte. Ça compte. Un dessert n'est pas une ratatouille. Un dessert peut être des tas de choses. De toute façon, dans le doute, c'est moi qui aurai le mot final. Mot de 5 lettres. J'aime les... C'est vous qui mettez ce que vous voulez. Twitch friendly. Ou alors censurez-vous. Région ou département, France, Amérique, etc. Mais si vous allez me chercher un truc en Chine que personne ne connaît et que je ne trouve pas l'information, tant pis, vous perdez un point, vous perdez votre chance. Et raison d'annuler un live, à vous de voir et de jouer avec les mots pour que ça commence avec la bonne lettre. Du moment qu'on tombe pas sur B. Allez hop, c'est parti, hein. Je veux pas... Non, j'ai rien à dire. Prendre hop, mon petit Google parce que je sens que j'en ai besoin.
Attention, attention. Alva. Très bien. Je suis étonnée que Gwen ait rien mis. Moins 5 lettres. Anté, harpe, H. Parfait. J'aime les histoires, les haribots, les hiboux, c'est chouette, les haricots. Ok. L'héros, le Hauts-de-France. Ok. Hospitalisation, hôpital. Et vous avez de la chance parce que c'est pas le même mot. Je compte. Je suis pas passée. Oh. Oula, j'ai mal au dos. J'ai mal au... On va. Alors, je sais pas ce que t'allais mettre, mais on va considérer que c'est ok. Parce que j'ai peur. Non, au ventre, peut-être. J'ai peur. Ça compte, c'est bon. Félicitations. Y a pas de doublon. Vous pouvez valider. Prochaine partie. Le I. Vous avez l'air concentré. Moi, je suis concentrée. Île flottante, igloo au chocolat, hibiscus en granité. Parfait. Idiot, indu, ivre. Idiotie de mon chéri. J'aime les idioties de mon chéri. J'aime les iris. J'aime les indices. Ok, ok. Indre-et-Loire, Indre. Les deux sont séparables ? Oui. Je vérifie parce que je suis une bille en géo. D'ailleurs, c'est étonnant que j'ai mis une catégorie en géo alors que je suis une bille, mais Google. Inondation, intempérie. Parfait. Vous pouvez valider. C'est tout bon pour moi. Et attention, ça va être la prochaine. Je fais une petite pause, j'arrive. Il faut que je vais aller tousser. Je vais en profiter pour faire ça hors champ parce que je vais mourir. Je reviens. Tu peux valider. Ah, bon. Est-ce que le L vous inspire ? J'ai l'impression qu'il ferait bien. Lapin au chocolat, liégeois. Lapin, lapin. Larme. Livre. C'est dommage, il y avait latin. Vous pouvez pas savoir. J'aime les livres, j'aime les lichis, j'aime les lièvres, mais la tortue aussi, et j'aime les lotos. Parfait. Lozère, Loire et Loire-Atlantique, ok. Louper le bus, lenteur, fichu LSL, lumière trop forte, ok. J'aime bien parce que cette catégorie, elle a l'air de vous motiver un peu. Je vois qu'Arwenia, elle a pas écrit... Non, si, elle a écrit, c'est bon. J'ai cru qu'elle avait pas... Qu'elle avait bugué.
validé. Bien joué. Vous en sortez bien? Pas de soucis, t'inquiète pas. Bon, c'est pas le fort de tout le monde, hein. La participation, c'est tout ce qui est le plus important. Allez, le cas. Ça va être chiant, ça. Ça va être rigolo, plutôt. J'ai hâte de voir vos réponses. Kougloff. Pardon. Kougloff. Kougloff. Ok. Queen. C'est Queen Naman, non, je crois. Non, ouais, un truc comme ça. Bref, en tout cas, ok. Kaki vivrait. Moi, en 7 lettres. En 5 lettres. Kevin, Kist, Kanji, Kaki. Ok. J'aime les kiwis, les Kellogg's, les Kaki. Kenkijuki. Dommage. Dommage. Oh, j'aime beaucoup. Alors, je vais marquer crash, mais... Bon, cela dit oui, bon, bah, c'est un crash boursier, quoi. Kiwi a sauté dans la maison. Je trouve ça très drôle. J'y ai pensé, je me suis dit, l'animal, là, tu le fais débarquer n'importe où, ça compte. Kidnappé par un alien, j'aime beaucoup. Moi, j'avais pensé à Kylian Mbappé m'a fait un tacle. Voilà, c'était tout con, hein. C'est juste un cas. Moi, c'est le seul... J'ai pas de personnalité. J'ai entendu parler d'Mbappé hier, du coup, je me souviens de ça. Crash Twitch, cool. Is ok, on valide. Il y a que le Kentucky qui a pas pu être validé, mais joli, joli. Franchement, là, les scores, ils sont serrés depuis tout à l'heure, hein. Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des thèmes plus simples. Enfin, plus simples. Toute proportion gardée. C'est pas moi qui choisis la lettre finale dans la liste, mais... Il y aura une partie classique. Un peu plus tard. Vous pouvez tous valider. Alors... Je vais comptabiliser les points. Un point, hop là, pour Arwenia. Deux points pour Drake. Pour Gwen, pardon. Trois points pour Lily et cinq pour Bouge. En vrai, vous collez quand même. Joli. Joli. On a une égalité en troisième position pour l'instant. Ok. Je vous avais parlé d'une partie un peu plus classique. C'est pas pour tout de suite. Série, film. Hop. Alors, il est là. Série, film, manga, animé. Ouais, ça se joue à rien. Franchement, ça se joue à pas grand-chose. Série, film, manga, animé. Le... Comme l'année dernière. Le Seigneur des Anneaux. Tu peux mettre Seigneur des Anneaux. Ça compte. Tu peux mettre Le Seigneur des Anneaux pour elle, ça compte. D'accord. Mais tu peux retirer le, la ou les. Elle apostrophe. Bon, le pronom, quoi. Voilà. Ça compte. Genre... Voilà. Mais ça, c'était déjà la même chose l'année dernière. Donc ça peut être film, série, manga, animé, en français, le nom français, je veux pas de... Enfin, la tête d'étiquetant, c'est pas l'autre, là, je veux pas,
je veux le nom français. S'il n'y a pas de nom français, vous mettez le nom courant. Genre Hunger Games. Évidemment. Ok. Donc, film, série, manga, animé. Hop. Je crois qu'il n'est pas là. Anatomie. J'avais jamais vu cette catégorie. Il faut pas faire ça. Hein. Alors. Verbe du troisième groupe. Ça, ça va être un peu plus cérébral. Moi, je sais que je vais être obligée de réfléchir. Mais il faut bien qu'il y ait des trucs un peu plus durs. C'est pas la plus simple, le parti. J'ai pas choisi ça, mais prénom claqué au sol, c'est très drôle. Oh, l'année prochaine, si on refait, je mettrai peut-être prénom claqué au sol. Attendez, je cherche. Hein. Le surnom. Et en dernière catégorie, c'est moi qui l'ai créé. Je sais pas qu'elle existe en réalité, mais je l'ai créé quand même. Attendez. Comment j'écris ça? Oh bah... Oh bah, je... Voilà, je... Alors, globalement, top, flop, il y a une catégorie sur nom, ça veut dire quoi? Chérie, ça veut dire mon cœur, ça veut dire amour, ça veut dire même bébé, ça peut dire ma puce, tu peux retirer le ma, c'est pareil. Hein. Les surnoms de prénoms, non, pas les diminutifs. Ma petite quiche flambée, vous pouvez. Pas les diminutifs, mais j'aime beaucoup ma petite quiche flambée. Vous pouvez mettre petite quiche flambée en mettant... Enfin, voilà, ça compte. Voilà. Par contre, pas les diminutifs. Parce qu'en fait, c'est trop compliqué. Quasiment tous les prénoms de nos jours sont des diminutifs. Donc non, pas les prénoms, pas les diminutifs, pas les pseudonymes. Oui. Oui, je serais repassée dessus, mais t'as raison. Top flop, idée de contenu. Tu penses à un truc, que ce soit un top ou un flop, tu peux le proposer comme réponse. Exemple, tu pourrais écrire pour... événement... tu vois, le Carita Twitch. Tu pourrais le compter. Alors, t'as pas le droit d'utiliser Carita Twitch, ça doit être une idée qui vient de vous. Ça peut être un contenu flop, top, peu importe. En fait, c'est... Pense à une idée de contenu. Propose-la nous. Tu vois l'idée? Alors, c'est à nous de le créer. Voilà, ça peut exister, parce qu'il y a plein de choses qui existent de nos jours. Ça doit pas être forcément en lien avec la paix. C'est-à-dire que... Je sais pas, tu dis... live dans une baignoire... Ou live dans une flaque de boue. Voilà. Ça fait le L, hein, parce que c'est live dans une flaque de boue. Mais ça pourrait être, je sais pas... soirée accrochée à un arbre par les pieds. Voilà, je cherche. Ça peut être un contenu internet. Un top ou un flop. Attention, on évite les trigger warnings. Et on reste Twitch friendly. Toujours. Éventuellement, on rigole un peu, mais bon. Voilà. Ok pour vous? Alors, vous avez 90 secondes, et il n'y en aura que 3. Il y a des moments où j'en mets moins, c'est parce que j'ai l'impression que c'est super dur comme thème. Alors que peut-être pas, hein. Mais chez moi, il y a moyen que... Dans ma tête, je mets 3 tours. Ça se trouve, ça vous aurait éclaté d'en faire 10, mais bon. Là, c'est dur, donc 60 secondes, c'est court. Vous avez 90 secondes.
Donc, film, série, manga, animé. Vous pouvez retirer le pronom, le, la, les, l'apostrophe. C'est des pronoms ? Ça se trouve, c'est même pas des pronoms, je m'en bats les couilles. Vous pouvez retirer le, la, les, l'apostrophe. Ça se trouve, mon français est très mauvais. Anatomie, ça doit être une partie du corps anatomique. Ça pourrait être le nom d'une veine, d'une glande, ou juste pied, ça compte. C'est bon pour vous. Verbe du troisième groupe, nom conjugué, voilà. Surnom, ça doit donc être un surnom affectif ou pas. Mais ça ne peut pas être un pseudonyme, un prénom, un diminutif. Et vous pouvez tout à fait l'inventer, c'est tout l'intérêt de ce jeu. Et top flop, idée de contenu, c'est imaginer une idée de contenu, donnez-lui un nom. Peut-être que ça peut être juste un nom d'ailleurs, hein, Carita Twitch, c'est un événement caritatif. Mais quand même que vous pouvez donner un... Trouvez juste une idée de nom. Il n'y a pas de... Voilà. C'est vous. Ça va être dur, 90 secondes. J'espère que vous êtes prêts. Je vais vous envoyer le lien. N'hésitez pas à rejoindre. On crumble à la fraise. Je trouve ça très drôle. J'aime beaucoup. Ça va bien se passer. Est-ce que Sky, tu viens jouer ? Est-ce que Gwen nous rejoint ? On attend un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Ça a encore bugué ? Ah. Ça va bien se passer. Du coup, Gwen, tu ne viens pas ? Si, ok. Ça marche. On t'attend. Est-ce que c'est toi le faisant ? Ça pourrait être Sky, alors dans le doute, je demande. Si c'est avant qu'il a répondu. C'est quand je lui ai demandé s'il nous rejoignait. Ok. Attention, préparez-vous. Attention. 3, 2, 1. C'est Tipar. Il y a encore un chrono de 5 secondes, mais bon. Que quoi ? Je sais pas, ça aurait pu être toi qui a rejoint et qui ne nous l'ait pas dit.
Alors, dans le doute, il y a demande. Lettre D. Ça marche. Alors attention, attention, 15 secondes. Non, c'est tout. Ça peut être le nom d'un os, le nom d'une veine, œil, pied. S'en fout. Joli. Dallas, drôle de dame, Death Note, parfait. Dent de sagesse, doigt de pied, diaphragme, dent, ok. Dormir, dire, descendre. Ok. Oh, pardon. Surnom, Doudouce, Dali, Doudou. Ok. J'aime bien cette idée de contenu. En fait, je ferais mieux de vous faire écrire des speeches, comme ça je me payerais vos contenus. Drôle de dame de la paix, c'est très bien pour la dame, la journée des femmes, droits de la femme, là. Mais je suis à peu près sûre que ça apporterait à préjudice, mais c'est très drôle. Dormir debout durant des dizaines de minutes, j'aime bien. Débat entre eux. Oui. Ce serait un gros flop. Ok, c'est bon, je valide. Parfait. C'est un gros flop, et en plus de ça, je valide que parce que, en effet, j'ai... Voilà. Mais c'est ce que je pense des gens qui... Des gens qui... De la politique. Ah ! Ah, oh, ça va mieux. En A, je trouve que c'est bien parce qu'il y a plein de trucs quand même. Excusez-moi, il y a un truc qui vient de me choquer. Alors...
Alors, excusez-moi, du coup. Ah. T'as pas eu le temps d'écrire? Il y a vraiment un film qui s'appelle comme ça. Dommage, du coup. Aristocha, Akira. Avatar. Aorte, artère, abdomen. Allez, atterrir, attendre, allez. Oh, dommage. Amour, atata. Aimé, mon aimé, oui. Atterrir, c'est du deuxième groupe ? J'ai bizarrement tout envie de te croire. C'est possible là de ne pas avoir de bug ou pas? Oui. En effet, my bad. Alors moi, j'ai plus du tout la règle des deuxièmes groupes. Pourtant, je l'avais relu, hein. Mais voilà. Top flop, aller à la pêche, arriver en retard de 1 heure. Astuce, comment gérer sa chaîne Twitch avec des bots. Joli. Aller à la pêche. Oh waouh, les streams pêche, ça existe, je pense. Ok. On est bon. Dernier tour, si je me trompe pas. T. Sept. Attention. Bizarrement, je peux prétendre que ça existe. J'ai écrit Tandon, alors du coup, on n'est pas dans la merde. Donc, Tandem, d'accord, Tonton Flingueur, Tokyo Ghoul, d'ailleurs, très bien. La trachée, le toit. Et tromper le torse, très bien. Passer, parce que ça me fait rire. Tenir. Trahir, il manque le H. Non, je pense que ton verbe, t'avais mis tromper là, non? Le tromper, c'est du premier, donc ça compte. Ah non? Trompe? Écoute. C'est vrai? T'avais mis quoi? Tordre.
Mais c'est quand même bizarre qu'il ait effacé ton verbe pour mettre un truc aussi long. La vraie. Vous pouvez donc retirer tenir. Trompe. Alors trahir. C'est du deuxième groupe. Dans tous les cas. Ah, personne n'a de points à ce niveau-là, c'est parti. Surnom. Tulipe aussi doux parfum et aux pétales brillantes. C'est trop mignon. Toon, d'accord. Toto, why not. Tâcher ses vêtements avec de la nourriture. Trouver qui te parle. Tutoriel chez fabrication en crochet. Bien joué. Pensez bien à valider, s'il vous plaît, là, le trahir. Pour le retirer. Attends. Je lis mal? Traire. J'ai dû trahir. Ah. On les trait. Alors. Tu vois, c'est un peu l'inconvénient. C'est-à-dire que ça peut être deux mots. Il manque une lettre à chacun. Et c'est la raison pour laquelle, à la base, je dis 90% pour qu'il n'y ait pas de... Voilà, c'est ça. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, 90%, ça paraît correct. Cela dit, 90% sur 6 lettres. Pile à cet endroit-là, soit il manque le E, mais du coup, on va le compter. Parce que c'est vrai qu'il y a trer. Et que... à la base, j'aurais dû demander à Gwen de me l'écrire sans faute pour me confirmer le mot, mais j'ai même pas lu traire. Donc on va le compter. Je vérifierai la prochaine fois que j'ai un doute. Je vous demanderai. Pas à vous, mais à la personne écrite, je veux dire. Très bien. Très bien. Mais petit plus pour le trou du cul et la tulipe. Voilà. Et trouver qui te parle, c'est un concept qui me plairait bien. Genre, t'entends plein de voix là et tu dis... Ok, la voix de qui? Oh, c'est très trop bien. Tu mets un enregistrement de 70 voix là. Ok, j'entends qui? J'entends quoi? C'est un brouhaha, je vais jamais m'en sortir. C'est là très drôle. Ça me plaît. Voilà, pour toutes les personnes qui vont me voler mon idée, sachez que j'ai une preuve que... Alors, hop, je note les petits points. Ok, je note les points. C'est fait et je vais relancer une partie. Cette partie, si vous voulez, n'hésitez pas. On va être sur du prénom fille, prénom garçon. C'est volontairement séparé. Quoique, de toute façon, ça change pas grand-chose, mais c'est volontairement séparé à la base. On a ville, métier, pays. Pas pays, pardon. On n'a pas non plus ville, c'est ville et pays. J'ai mis des slash dans mes... Ville ou pays ? Métier, animal. On part sur une partie facile, mais rythmée. Donc, hop, je retire. Donc, prénom fille, prénom garçon, ville ou pays, métier, animal, objet, sport. Y'a pas plante là? Quelque part? Attendez. Fleur ou plante? Bon voilà, plante, tout ce qui sort de la terre. Fleur, plante, fruits, légumes, le wasabi ça compte parce que c'est une épice et que ça sort de la terre. Le café comme le café yé. Ça existe ça? Bref. Le fruit qui pousse sur l'arbre et l'arbre, les deux comptent. Je sais pas si c'est très clair. Si, l'orange compte, l'oranger compte. Prénom fille, prénom garçon. Il y a des prénoms, c'est pour les deux. C'est la dernière fois que je pense que je ferai une catégorie comme ça là parce que c'est pas très inclusif.
Mais j'avais mis deux catégories différentes quand je l'avais fait. Donc, ça date de l'année dernière. Hein. C'est celle que je n'ai pas fait l'année dernière. Ville ou pays, métier, animal, objet, sport, fleurs, plantes, fruits, légumes. Dans objet ne peut pas être vivant. Donc, dans objet, ça ne peut pas être vivant. Ça peut pas être, je sais pas, vivant. Ça peut être... Voilà. Je pense que c'est important que je le précise. Tu peux pas mettre, tu peux pas dire qu'une orange, c'est un objet. Même si c'est tangible. Par contre, ça pourrait être, je sais pas moi, une bouteille. Pensez aux précisions si jamais. Que ça pourrait être une feuille non vivante. Une feuille de papier, je veux dire. Après, je me suis dit, mais non, il y a les feuilles d'arbre, faut que je précise. Feuille de papier, donc. Genre, papier, peu importe. Un paquet de machin, j'en sais rien, on s'en fout. Voilà. Ça peut être un caillou. Une pierre précieuse, peu importe. Ce n'est pas vivant. Voilà. Non, c'est pas... En fait, je vous dis quasiment rien de tout ce qui existe. C'est juste... Après, on n'aura plus rien à mettre. Bah si, vous pouvez toujours le mettre. C'est juste que du coup, il risque d'y avoir des doublons. Sport. Je veux le nom du sport, je veux pas le nom du sportif. Pas footballeur, c'est football. Voilà. Je pense qu'on est bon pour le reste. Et là, je suis trop mignonne. Parce que... Attendez. Hop là. Par contre, c'est un peu plus chronométré. Pour autant de catégories, vous avez... 5 secondes. À bouiller. À bouiller ? Là, il va falloir de la rapidité. Vous comprenez? Et bien, à un moment donné, je peux pas faire que des trucs faciles. Voilà. Vous avez tous les mêmes 45 secondes. Sinon, j'aurais pu mettre juste en appuyant sur stop. Et tant pis pour les derniers. Vous avez tous les mêmes 45 secondes. C'est des catégories qui sont relativement simples. Vas-y, prépare-toi. Mais... Pour pas avoir les mêmes réponses que les autres, il va falloir trouver une technique. Tout l'intérêt étant que ce soit une rapide, des parties un peu plus rapides. Sachant qu'entre deux parties, on prendra peut-être juste le temps. Si jamais Gwen doit... Enfin, je sais pas s'il est sur deux téléphones, parce qu'il m'a dit qu'il jouait sur téléphone. Je sais pas s'il est sur deux téléphones différents, mais s'il doit à chaque fois changer entre les deux, on fera en sorte de laisser le temps à ce que son téléphone se remette. Enfin, voilà, bon. Voilà. Courage à tous, exactement. Va falloir être inventif. Et pas se bloquer sous la pression. On va attendre Gwen. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous rejoindre? Il nous reste deux parties après. Enfin, deux catégories. Ouais, c'est pour ça, tu vois, là, le fait qu'ils nous répondent, je m'attends pas à ce qu'ils les rejoignent en 20 secondes derrière, qu'ils soient opérationnels aussi vite que moi qui suis sur l'ordi, qui ai 4 écrans et qui y en est, voilà. Donc, s'il y a besoin, on n'hésite pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous rejoindre? Est-ce que tout le monde est bon? Attention! Bistou! Je le rajoute à la liste des participants. Iflex. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je rappelle donc les catégories prénom fille, prénom garçon, pays ou ville, métier,
Métier, attention. Le métier. Pas l'artiste, pas le nom de la personne qui est fait. Hein. Objet non vivant. Sport, le nom du sport et nom du sportif. Fleurs, plantes, fruits, légumes. Voilà. Ça peut être l'orange comme l'oranger. On est qui part. Bon courage à tous, vous avez 45 secondes à chaque fois. Et ensuite, on s'occupe du reste. T, j'ai mis que des lettres assez simples. Voyons, voyons. Tania, Tatiana, Théodora, Tatiana, dommage. Pourtant, il y en avait tellement. Pensez à bien retirer, s'il vous plaît. Merci. Timothée, Théo, Thibaut, Théodore. Parfait. Tanzanie, Tourcoing, Turkistan, Tokyo. Très bien. J'avoue que... Ouais, c'est Turkistan, ouais. C'est un E, mais 90%. Métier, taxi, ok. Trappeur, technicien informatique. Parfait. Tortue, alors. Je t'écoute. Taupe, tigre. Ok. Allez, on valide. Attends, on t'a validé truite, je veux dire. Objet, tente, tambour, table. Sport, triathlon, tennis de table. Fleur, tulipe et tulipe. Topinambour. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un veut me faire un retour sur les 45 dernières secondes? Où est-ce que ça va? Mais ça va. Ok. Concentrez-vous. Je vais appuyer. Il n'y a pas eu 45 secondes là? Si. Oh, arrête. Arrête. M'embête pas. Là, ok. Ça a mis 10 secondes. Non. Attention. Préparez-vous. Tenez-vous prêt. N'écrivez pas. Voilà, je suis nulle. Oui, alors. Tout va bien. Attention. Let's go. Là, je vous demande pas si vous êtes prêts volontairement pour que vous ayez pas besoin de changer d'écran, de machin, de truc, dans le doute. Elle. Alors, je me suis un peu amusée, j'ai pas tout fait. Moi, vous me comptez pas dans tous les cas. Puis, de toute façon, la personne l'avait fait. Laura, Léontine, c'est original. Oh là, pardon. Luna, Lola, ouais, moi j'avais mis
Alors vous comptez... Non, 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 vous me comptez pas, vous me comptez pas. Laissez Aronia son point. J'aurais dû faire en sorte que ça se dévalide automatiquement. Laissez Aronia son point, c'est... Moi, je ne compte pas. Non, laissez-lui son point, vilain. Vendeux monstre. Donc, Louis, ça compte. Lilian, Ludovic, Lancelot, c'est OK. Vous pouvez retirer le mien, sachant que je suis rien. De toute façon, je ne serai pas dans le classement. Libye, Lettonie, Luxembourg. C'est pareil, le Luxembourg, ça ne comptait pas. Hein. Alors, je ne sais pas quel est cet endroit. Ok. C'est la capitale de la Slovénie, je ne savais pas, mais c'est parfait, c'est très bien. Métier, libraire, lithographe. Très bien. Animal, lapin, lapin de garenne, lapin sauvage, lièvre, lion. Bon, alors le lion, ça comptait pas non plus. Lynx, parfait. Objet, luge, louche, lunette, luge et luge. Luge acrobatique. La luge acrobatique, c'est un sport? Écoutez, c'est inventif, j'aime bien. On va le laisser. Oui, quand tu prends une bosse. Écoutez, je trouve que c'est recherché. La luge, sachant que c'était un sport, hein. C'est juste que vous avez mis trois fois la même, sinon ça comptait. Litchi, lait. Limette. Ok, c'est un fruit, parfait. Par contre, le lait... Moi, ouais, j'avoue que je trouve souvent du lait sur les arbres. Oui, bien sûr, je peux attendre. Attention à pas te faire virer en étant inactif. C'est vrai que la première fois, j'avais fait une pause pour vous laisser le temps d'aller faire pipi. Je voulais dire laitue. Dommage. Pour avoir 90%, il t'aurait fallu le U. Mais ça a coupé. Je comprends. Je suis navrée. Mon premier degré, t'avais mis le lait dans les légumes. C'est connu. La vache, elle mâche de l'herbe, donc elle fait du lait. Comme le papier, ça vient des arbres. Donc, c'est OK. Pardon. On attend un petit peu Bauge. Vous pouvez tous valider, je vais attendre pour valider, comme ça, il n'y a pas de... Comme ça, vous n'êtes pas marqué comme inactif. Hop là. Ouais, c'est bon. Il est végétal. Bon, techniquement, on ne cherchait pas la forme de transformer, mais bon. C'est bon pour tout le monde. Ne répondez pas. Appuyez sur valider quand vous êtes prêt. Tout simplement. Allez, c'est parti. Manche suivante. Ça va bien se passer, j'ai confiance en vous, vous êtes des chefs. S. Alors, de la même façon, on ne comptera pas les miens. Sabrina, Sandra, Sophia, Sophie, Solène. Alors oui, on compte pas les miens, hein, on se met d'accord. Samuel, Stéphane, Sylvain. Sylvain, dommage. Soudan, Suisse, Slovénie. Vous en faites pas, on retire le mien. Hein. D'ailleurs, on peut retirer là aussi, on s'en fout. De toute façon, ça ne compte pas. Tout va bien. Tout va bien, Bauche. Tout va bien. Soudère, non, mais non. Non, 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 non. Saltimbanque sommelier, ok.
Serpent. Dommage. Singe, souris. Saïmiri. Pas ce que c'est, mais je suis curieuse. Vous savez qu'avec le nombre de trucs que je tape... Oh, c'est un petit singe. Personne ne suce des choupa-choups. N'est payé à ça. Sac, serviette, stalactite, serpillière, sécateur. Vous pouvez retirer le mien, on s'en fout. Qui ? Retirez que le mien. Non, 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 retirez que le mien, retirez que le mien. No. Get. Ok, c'est une espèce de luge. Très bien. Sapin, sarrasin. Stalactite. Ah, pardon. Alors, stalactite, je suis désolée, c'est vivant. Ça reste jamais de la même façon. Enfin, c'est vivant. C'est... Oui, vous n'êtes pas obligé. En fait, vous êtes obligé de décliquer les miens quand il y a eu du double. Genre ski et ski. Mais ils ok, sinon les miens, on s'en fout. Ils sont... De toute façon, moi, je ne vais pas me compter dans le dedans. Tout va bien. Là, je vois qu'il y a une majorité qui l'a retiré, de toute façon, donc ça va. Oui, stalactite, c'est pas un objet. Sur le moment, c'est vrai que je l'ai lu et j'ai pas... C'est pas un objet. Mais c'était bien tenté. Vous pouvez valider. Encore deux manches. Prends ton temps à... Prenez votre... Voilà. Bon, je ne sais plus parler. C'est reparti. Ah. Bah voilà. Là, ça devrait être intéressant. En vrai, je dis ça, mais ils sont tous intéressants. J'aimais bien les raisons d'être en retard. Ou d'annuler un live. J'ai trouvé ça drôle. Des bisous, Sky! Alors, Ambre, Amélie, Anémone, Astrid, ok, Arthur, Adrien, Anatole, dommage. Albanie, Autriche, Agadir. Je vérifie toujours parce que vous savez que c'est une ville parfaite. Alors, je dirais alpiniste, agriculteur, astrophysicien. Oh putain, l'astrophysicien, il a fallu aller le chercher. Abeille, autruche, anaconda, axolote, aiguille, anémomètre, alpinisme, aviron, arbre fruitier, anémone, aconite. Alors l'arbre fruitier, ça va pas pouvoir passer. J'ai l'impression d'être la méchante de l'histoire. J'ai un peu bug, moi. En vrai, A, c'est facile, et en même temps, il faut penser, quoi. Moi, j'aurais mis l'abricot, je pense. J'aurais pas cherché loin. Parce que j'aurais pas... J'aurais sûrement pas cherché. Mais après, il y a des... Tu vois, c'est aussi pour ça que vous avez vu, là, on est à 4e catégorie. Et ça demande beaucoup plus de concentration de faire des catégories faciles en moins de temps. Ça demande beaucoup plus de concentration. Voilà.
Et surtout, je vous ai mis la pression en vous mettant moins de temps. Vas-y, bouge quand t'as validé. Tenez-vous prêt, je valide. C'est la dernière. Si je me trompe pas. Mais je ne suis pas à l'abri d'une erreur, hein. Je reste une femme. Slash... un grand F, quoi. Allez, le C. Camille, Carla, Charlotte, Clémence, Clément, Charles, Carlos, Constantin. J'en connais un qui a pas cherché loin. Moi, je pense que c'est ce que j'aurais mis juste parce que je sais que t'aurais perdu un point. Chartres, Cameroun, Cambodge. Chanteur, couvreur, chariste, cryptographe. Cochon, chameau, capucin, chihuahua, caracal. Parce que c'est un caracal, mais je pense que ça existe. C'est un lynx. Enfin, c'est un espèce de lynx. Un mahou. C'est un mahou. C'est un gros mahou, tu lui donnes pas ta main, cette fille. Carte, canoë, cuillère, cadran. Course à pied, canoë, curling. Ah, bouge, bistou, vous réfléchissez pareil. Coquelicot, coin, carotte, chrysanthème. Joli, vous pouvez valider. Mahou. Alors, voyons les résultats. Pour une fois, j'ai pas fait zéro. Bon, il n'y a pas d'intérêt à ça, mais... Alors... hop là. Nous avons... Hop... hop... excusez-moi. J'ai mon nez qui va éternuer. Nous avons donc 2 points pour Bistou, 3 pour Lily, hop, 5 pour Bouge. Et on va commencer la dernière partie. Alors, Pokémon. Alors, je suis désolée, c'est pas beaucoup plus ciblé, mais il y a quelques trucs. Alors non, c'était pas jeu vidéo, c'était jeu tout court. Je sais qu'il y est. Je l'ai eu. Voilà. Je. Alors, Pokémon. N'importe quelle génération. N'importe quelle génération. Pour Galar, Alola, précision fait. La précision fait toujours plus de chances d'écart entre eux. Jeu de société, vidéo. Mobile, peu importe, un jeu. D'ailleurs, jeu la marelle, ça compte. Jeu la dinette, ça compte. Ok, jeu. Un jeu, tout ce qui se joue. Je sais pas. Il y a tellement de choses. Je vais pas les dire parce que du coup, j'ai des exemples qui me viennent, mais si je les dis. C'est évident que ce sera plus chiant pour vous. Je le trouve pas. Ah, moi je veux un mot en 7 lettres. Jusque là, le mot en 7 lettres, vous commencez à le connaître.
Le faux compliment. Je veux que ça soit tourné comme un compliment, mais que ça n'en soit pas un. Tu sens aussi bon que du caca. Ton teint est aussi lumineux qu'un insecte écrasé sur mon pare-brise. Voilà, ok. Voilà, alors, du coup, vous pouvez commencer par le verbe, en mettant entre parenthèses, peu importe. Vous pouvez commencer par le verbe, vous pouvez commencer autrement. Hein, c'est vrai que moi, je fais des phrases, mais je sais pas, merveilleuse et stupide bouffonne. C'est merveilleux de base, voilà. Bon, c'est... Vous débrouillez, je vous fais confiance pour être inventif. Alors à la base, il était là, quelque part, celui que je voulais. Ce qui rentre dans un verre. Donc ça rentre dans un verre type 25 centilitres. Hein. Donc bon, il y a quand même de la place. Mais faut pas déconner. À mon mariage, je vais... Non, je veux pas... Je peux pas être méchante avec vous. Harry, littérature, voilà. Alors, Pokémon, les Pokémon. Jeu, tout ce qui est jeu. Jeu vidéo. Jeu de société, pas console. Hein. La console, c'est pas un jeu. À moins que ce soit une console jeu, genre... Genre Tamagotchi. Je me suis perdue entre deux. Les jeux de cours de récré, ça compte. Les jeux pour enfants, ça compte. Les jeux... Oui, ça rentre dans un verre. Tu peux mettre une mouche, tu peux mettre une balle de ping-pong, tu peux mettre une feuille d'arbre, ou un... Je sais pas, un kiwi, j'en sais rien. Si ça rentre dans un verre, ça rentre dans un verre. On s'en fout. Tout ce que tu veux. Tout ce qui rentre dans un verre. Alors, je chipoterai pas. Hein. Si, tu vois, si c'est un tout petit peu trop long. C'est globalement, faut que ça puisse rentrer dans un verre. C'est pas, faut que ça rentre dans un verre carré. Donc, un truc rond ne rentrera pas forcément. C'est pas, voilà. Moi, j'ai des grands verres. 25 centilitres. Tranquille. À peu près. Voilà, c'est pas le mien, il est en flûte, alors du coup, faut que ce soit forcément en forme de flûte. Tout va bien se passer. Faux compliment, on en a parlé, les mots de cette lettre, vous avez l'habitude. Art et littérature, ça peut être un peintre, un écrivain, peu importe, une personne. Attention, mettez bien soit son prénom, soit son nom en début. Les deux comptent, hein, mais mettez bien le bon côté. Genre Céline, Dion, ça marche comme Céline pour C, Dion comme D, mais mettez bien le Dion avant. Et pour voir si c'est bien le prénom derrière. Bon, c'est pas la littérature là, mais c'est l'exemple que j'avais donné l'année dernière, donc je peux m'en resservir. Ça peut aussi marquer un nom d'œuvre. Voilà. Hop. Je retire les 5 dernières lettres de l'alphabet. Et le cul. Et vous avez 90 secondes. Il y aura 3 manches. Ce sera la dernière. Oui, Harry Potter, ça compte. Et pour la plus de précision, précise le numéro du volet pour pas tomber sur exactement le même que ton copain. Et je le précise aussi pour l'art, parce que ça comptait pour les films. Donc,
bien sûr que ça compte également. Le Seigneur des Anneaux, c'est aussi un livre. Vous pouvez toujours compter sur le S en retirant le « le ». Le « lalé » et l'apostrophe. Tout va bien se passer. Frog est donc Gwen. Je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous rejoindre pour cette dernière partie? Du coup, marquez sa participation. Sachez que si vous participez, automatiquement, vous gagnez un point sur les Olympiques. Ce qui n'est pas négligeable, hein, parce que si vous êtes là aux prochaines épreuves, bah déjà, vous avez un point d'office à celle-ci. Hein, vous voyez, c'est pas... Ça se néglige pas. C'est le moment. C'est la dernière partie, donc c'est le moment. Attention, je vais lancer. C'est parti. Non, les points que je note, c'est pour faire le classement final. Du B. Désolée, Bauge, j'ai peut-être appuyé sur play pile au moment où tu étais bonne chance. Oui, Bauge qui a déjà terminé du coup. J'imagine. Peut-être que 90 secondes, je vous ai surestimé. Sous-estimé, je sais pas. Je me suis dit que B, c'est... Enfin, que... Il y a quand même des trucs... Bon, faux compliment, faut quand même penser à un truc. Pokémon, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Ok, ok, pas de soucis. Alors, Baudrive, Barpo, Balbuto, Brindibou, parfait. Ballon prisonnier, Bousculade, Bakugan, Bakugan. C'est pas Bakugan? Bakugan. Je sais pas, je connais pas, hein. Mais c'est pas grave, c'est 90%. C'est que je vérifie quand même, histoire que j'ai pas l'air d'une andouille s'il me dit non, ça existe. Bon, c'est pas Guggen. C'est pas grave, 90% de la réponse est bon. Et ça, je ne connais pas. Ok. Alors la bousculade. C'est un jeu de se bousculer. Ok. Ok, c'est le nom d'un jeu. Moi, bon, cette lettre, bambou, baleine, bravade, bégonia, biscuit. Waouh. Belle comme un chou-fleur. Celle-là, elle est belle, hein. Brave petit stupide. Belle comme un camion citerne avec tout le ciment sur la tronche. Brillant idiot. Parfait. Parfait. En plus, ça, c'est un pléonasme. C'est parfait. Ce qui rentre dans un verre, une bille, un bouchon, une bille de couleur, un bouillon, ça passe. Baudelaire, Bourville, Baudelaire, Charles, dommage. Dommage. Et franchement, c'est le seul doublon que vous ayez eu, je suis contente. Pas un écrivain? Oui, non, mais oui, attends. Peut-être que je confonds. Alors, il y a le acteur, ça compte? Non. Moi, je pensais qu'il y avait un écrivain qui s'appelait comme ça. Ah non.
Autant pour moi, c'est le nom d'un livre. Bon. Ça compte pas. Autant pour moi. Puis de toute façon, ça s'écrivait pas comme ça. Ok, vous pouvez... Vous pouvez faire sauter ces points. Ok. C'est pas grave, je les retirerai au pire. De toute façon, ils vont être retirés puisqu'il y a la moitié. Ok. Next. Non, acteur, ça compte pas du coup. Secondes. Ça va en vrai, ça passe, hein. Ça avance vite. Hello Misty Gris, comment vas-tu? Quoi de neuf? Alors, cas d'oiseau, carapace, cap humain, carchakrok. Ok. Je, chat, carcassonne, vous ressemblez un peu trop. Courir, c'est ok. Cloué, cabanon, compte, chariot, clavier. Oui, oui, Karchakrok, mais c'est juste que j'ai vérifié parce que je savais pas à quoi ça ressemblait. Ils ok, j'ai rien dit. Je conteste. Mais je l'ai pas enlevé. Carcassonne, tu contestes, pourquoi? Vous l'avez mis à deux. Je t'écoute. Il l'a écrit exactement de la même façon que toi. Vous avez tous les deux mis exactement la même chose. 90% de la réponse est bonne, Bauge. Charmant comme un cactus énervé. Cool comme Macron. Con comme mes pieds. Charmant comme une poubelle. Oh, il est bien cela. Je suis désolée, Vosges. Arrêtez de vous mettre d'accord sur ce que vous allez écrire. Ce qui rentre dans un verre, un caillou, un clou. Un champagne même. Pour l'audace. Oui, ça compte. C'est pas un compliment que... Oui, c'est vrai. C'est pas un faux compliment. Je suis désolée, en effet. Mais à un moment donné, oui, non, mais c'est vrai. Sur le moment, je me suis dit, mais oui, c'est drôle. C'est une bonne insulte. Et j'avais oublié qu'on cherchait les faux compliments. Pardon. Mais je serais repassée de toute façon. Corneille. Christian Clay. Alors, attendez. Alors,
Le cinéma, c'est pas de l'art. Le cinéma, c'est de la bouse en boîte. Non, non, franchement. Alors, on va mettre les choses à leur point. Je considère qu'un nom d'acteur, ça compte pas là-dedans. Éventuellement, dans art et cinéma, dans art et littérature, on peut mettre cinéma parce que cinéma, c'est global. On va dire c'est un art. C'est comme si tu disais que l'impressionnisme, ça compte pas. Bon, ça compte. Donc, on va le compter. Christian Clavier, je vais le compter parce qu'il est scénariste. Mais faut pas pousser trop loin non plus, quand même. Et que franchement, ça va. Par contre, je sais pas qui est cette personne et je suis très curieuse. Ah, c'est un espagnol. C'est Don Quichotte. Je me disais aussi, mais... J'ai déjà vu, mais je sais... Oui. Du coup. Hop. Désolée, Bauge, hein, pour le Carcassonne. En même temps, depuis le début, vous vous donnez le mot. Je vous en prie, vous pouvez valider. Je suis très en arrière. Je suis tombée en arrière. Dernière partie. Dernière. C'est pas une partie en plus. Oui, Bistou, t'as fait perdre beaucoup de points. Ça va, tu mènes quand même un peu. La plupart du temps, tu t'en sors relativement bien. Merci. Bon courage pour la dernière. C'est le moment. Et inversement, bien sûr. Bien sûr, le U. Parfait. Ursaring, bien joué. Tous les trois, vous êtes très forts. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Je vais les regarder par curiosité. Oh, flemme, non. Je suis presque sûre que je vais pas trouver ce que je veux. Allez. On est trois sur le coup. Pas de soucis. 1, 2, 3, soleil. Uno, ultima. Je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est un jeu. Oui, d'accord. Unique, dommage. Utilise univers urbain. Oui, c'est un jeu de rôle, j'ai regardé après, ouais. Utile comme... Tracé comme la vérole. Unique comme les galets de la plage du Havre. Oh putain. Unique comme un bar commun. CNH représente. Ok. Mais non, laissez-le utile comme. C'est juste...
la meilleure insulte, le meilleur faux compliment. T'es utile, utile comme... Vous êtes pas senti insulté là? Pourtant, j'ai l'impression d'avoir dit quelque chose de sympa. Ce qui rentre dans un verre. Ah, dommage, vous avez la même. Ah, mais... la même, tous les trois! On me la compte pas pour pas que tu regardes. Alors, pardon. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. On me la compte pas pour pas que tu regardes. Alors une vie, j'imagine qu'il y a une ref que j'ai pas, sûrement littéraire. Oui, voilà. De Maupassant, j'imagine. C'est un journal par chez moi. Eh ben écoute, on va lui retirer. Et ouais, il y a Maupassant qui a fait ça. Eh ben écoutez, on va avoir le résultat final. Je vous en prie, validez vos points. Ensuite, je vous ferai un récap. Des points. C'est parti. Nous avons donc... Hop. Ici. 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 Des points. Là aussi et là aussi, attention. Ah, c'est ça? Ah oui, c'est parce que je suis une bouffonne, j'ai pas étendu mes sources. Félicitations! Oui, oui, y a pas de souci. Vous avez eu tous les deux les points du vainqueur. Parce que vous êtes à égalité. Et en dessous, ils ont tous les deux eu les points du... Tout va bien. Les points de la deuxième place et Arwenia à la troisième. J'ai essayé de respirer par le nez et j'ai pas réussi. Et je crois que ça s'est entendu. Ça fait super mal. Oh waouh! La meuf, elle a oublié comment on respire. Alors, félicitations à tous! GG! GG à tous. Vous êtes très forts. Je vais donc... Hop là, je vais vous annoncer le... Je vais vous annoncer le classement. Je ne sais plus parler. Très bien, très bien. Attention, attention. Alors... là. Le classement pour ce petit bac est le suivant. Bistou a 5 points, à 1 point, pardon. Bistou a eu 5 points au total pour sa participation. Il a donc 1 point de participation puisqu'il n'est pas sur le podium des 3 premiers. Nous avons Arwenia qui cumule 8 points et qui est donc deuxième et qui donc gagne 1 point de participation. Deuxième, avant-dernière, pardon. En troisième position, c'est dur, hein. En troisième position, nous avons Gwenelf qui a cumulé 11 points. Il fait de lui le troisième. Il gagne donc 2 points. Nous avons en seconde position Lily Suzy qui a fait un total de 21 points. Donc 21 points de victoire
petit bac qui lui donne donc accès à 3 points. Et nous avons Tonton Bauge qui a fait un total de 28 points et qui a donc gagné les 5 points de la première place. Tu as gagné donc le laurier d'or. On rappelle, on en a parlé avec Sin, que les petits cadeaux slash autres vont être distribués. Ce n'est pas encore fait, mais ça va être fait très prochainement. Je vous enverrai tout ceci sûrement demain. Parce que là, il faut que j'aille travailler après. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment, parce que moi, oui. Ah, je comprends, Bouge, mais je comprends. Ça arrive. Bon courage à toi. Et puis, de toute façon, moi, je suis persuadée que ça va se fighter fort. GG! J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Je passe toujours un super moment avec vous, en fait. Toujours. On va regarder si on peut pas raid quelqu'un. Je crois que Sin n'est pas en live encore. Mais je sais qu'elle lancera un peu plus tard. Il y a des catégories rigolotes. Alors, si l'année prochaine, il faut refaire, peut-être que je ferai pas le petit bac. Mais je trouve ça très drôle. Oui, Sin, elle a dit qu'elle allait... Peut-être, sûrement. En tout cas, c'est possible qu'elle stream dans l'après-midi. N'hésitez pas à aller voir si elle stream. On va pas pouvoir la raid parce qu'elle n'est pas déjà dessus. Par contre, on va raid... Je cherche. On va faire un raid à Valfi. La sur Guild Wars 2, pardon. Oh, il y a du son. J'ai failli mettre Raid Guild Wars 2, alors que pas du tout. Juste parce que je ne suis pas concentrée et que je suis épuisée. Voilà, je vous envoie chez Valfi. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous fais des gros bisous. Oui, je vous envoie tout ça au plus tôt. On se reverra peut-être la semaine prochaine, pour ma part, sur la chaîne de la paix. Peut-être sur ma chaîne. Sinon, ce sera forcément sur ma chaîne pour les prochaines semaines, puisque je n'aurai pas accès à la chaîne de la paix sur mon PC portable. Je vous fais des gros bisous. Surtout que je ne suis même pas sur le stream sur le PC portable, plutôt sur le téléphone. Bref, des bisous, prenez soin de vous. À bientôt.